tu peux me dire quelle était ta fonction sur ces championnats de France? J'ai coaché les garçons. D'accord, ça consistait en quoi ce coaching? Tu faisais quoi? Je faisais les changements quand il y en avait qui étaient fatigués, je prenais les temps morts et je les encourageais. D'accord. Est-ce que tu peux me dire comment tu avais organisé ton équipe en défense? En défense? Ah, on avait fait une défense en zone 2-1-2. 2-1-2. Et voilà. Voilà, et en attaque, qu'est-ce que tu leur as donné comme consigne le plus souvent? De jouer rapidement. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu avais des conseils à donner à l'équipe encore, ce serait lesquels? En attaque, ça serait qu'ils bougent plus et que la balle elle circule plus vite. Et en défense, ça serait qu'ils soient plus agressifs. Tu as trouvé qu'ils avaient progressé? Oui. Est-ce qu'ils ont été à l'écoute un peu de ce que tu disais? Ouais, ça va. Ouais, pour terminer cette interview, est-ce que tu peux nous donner ton meilleur souvenir des championnats de France? En fait, j'en ai pas qu'un, mais c'était tous les petits moments, pas forcément dans les matchs et tout, genre tout le reste à côté, c'était bien. J'ai bien aimé ça. Et voilà. Mais c'était bien en tout, enfin, genre j'ai bien aimé. Monsieur, je suis en présence du capitaine Thomas Langlais, capitaine de la sélection du collège Denis Brunet. Qu'avez-vous pensé de ce tournoi, monsieur le capitaine? C'est un bon tournoi pour tout le monde. On peut progresser sur ce tournoi et c'est bien de vivre ça quand même une fois dans sa vie en étant joueur. Ça a fait progresser beaucoup de monde. Je pense qu'ils sont contents aussi, l'équipe est contente d'avoir fait ça. Et je leur souhaite une bonne continuation pour la suite parce que je passe en année de lycée. Thomas Langlais, est-ce que vous pouvez nous raconter votre meilleur moment de la semaine s'il vous plaît? Le meilleur moment de la semaine, c'est la victoire contre Évreux, le match 4e contre 4e pour jouer la 13e et la 14e place. Pour se qualifier justement à la 13e et la 14e place, on a gagné de peu, c'était serré et c'était bien parce que tout le monde a pu jouer. Et tout le monde a apporté un peu à l'équipe, donc c'était un beau moment. Action. Oui, Thomas Langlais, est-ce que vous pouvez nous dire quelle équipe vous a fait la plus forte impression et pourquoi? L'équipe qui m'a fait la plus forte impression, c'est Agen, parce que ils sont au-dessus physiquement et il y a certains joueurs qui jouent en France, d'autres en région, on n'était pas au même niveau et c'était beaucoup trop fort pour nous. Même en essayant de jouer bien, même en jouant bien, ça a été très très compliqué. Bonjour Chloé. Alors, on aimerait connaître la raison de ta présence ici avec l'équipe des mini garçons au championnat de France. Je suis venue pour les arbitrer parce qu'ils se qualifient. Alors Chloé, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours pour arriver jusqu'au championnat de France en tant qu'arbitre? D'abord, on a commencé avec l'équipe féminine et il fallait des arbitres et tout ça, donc j'ai été désignée par les profs. Et ensuite, alors, tu as arbitré ton match, ton premier match quand? Comment? Dans les districts. Ensuite, on est parti en académie. Et là, ça a continué. Je ne l'ai pas eu tout de suite. J'ai eu à l'Inter à 4, je crois. Qu'est-ce que garçons. tu as eu quoi à l'Inter à 4? Le diplôme, là. Ta validation de l'arbitre académique? Et du coup, j'ai pu partir avec les garçons en national parce que nous, les filles, ça sert à rien en académie. C'est ce qu'il y a. Voilà. Et comme pour partir, ils avaient besoin d'un arbitre et que Léon, soit il jouait pas, soit il était arbitre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes sensations avant ton premier match en tant qu'arbitre ici au Cheval de France? Oula. Comment tu as vécu les choses au fur et à mesure des matchs? Ta progression, est-ce que tu peux nous expliquer? Grand stress au tout début du premier match parce que. On voit des garçons grands, baraques, et là on dit ok, là va falloir diriger le jeu, ça va être compliqué. Alors on est en présence de Noah Lacroix, joueur de l'équipe. Noah, est-ce que vous pouvez nous raconter votre semaine un petit peu, vos sentiments à chaque match, vos impressions, le niveau de jeu, comment vous avez réussi à vous exprimer dans ce tournoi? On vous écoute. Alors en général c'était une bonne semaine. Après, ça faisait un peu peur quand on voyait le gabarit des gens en face.